Et salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes sur Diablo 3 sur le PTR du patch 2.4 pour tester l'une des nouvelles fonctionnalités et il s'agit des donjons d'ensemble. Alors pour être tout à fait franc, je m'y suis pas encore intéressé, hein, donc je me suis dit, allez, ce soir, on va tester les donjons d'ensemble. Et puis je décide eh bien, de partager ma petite découverte avec vous. Donc on n'est absolument pas sur du tryhard ce soir, hein, c'est-à-dire que on va juste voir comment ça fonctionne pour débloquer justement ce donjon. On va voir ce qui se passe à l'intérieur, mais on va pas essayer de performer ou quoi que ce soit, essayer de le terminer ou quoi. Ça, c'est quelque chose que je vais faire bien, déjà tout au long de la soirée, et puis peut-être dans les prochains jours. Donc on refera une vidéo derrière pour finir véritablement un donjon, pour qu'on puisse voir comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est la découverte. Alors, pour ouvrir ces donjons de 7, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut d'abord trouver une petite page, en fait, qui va nous donner un indice, voilà, pour eh bien justement trouver l'endroit où se trouve le donjon de 7. Parce que là on sait pas où c'est, les entrées sont différentes par classe, mais aussi par 7, hein. C'est-à-dire que là, le 7 terrestre, ça peut être à l'acte 1, le 7 Raycor, ça peut être acte 3. Donc voilà, première chose à faire, aller au manoir de Léoric. Donc cours du manoir de Léoric, on rentre à l'intérieur dans la nouvelle petite aile, hein, qui s'est débloquée donc à droite. Et puis là, il y aura des espèces de... je sais pas trop comment ça se passe là, comment ça s'appelle, pardon. Vous savez, les trucs où on pose des livres, hein. Attendez voir, il me semble que c'est sur la gauche plutôt. Il me semble que c'est plutôt sur la gauche, voilà, ce genre de pièce là. Hop, ce genre de truc, hein, ce genre de pupitre. J'ai oublié le nom, je sais qu'il y a un nom exact. Ah, bah, je crois que c'est, voilà, au moins c'est clair. Lutrin de Scribe. Eh bien, sur le lutrin, 48 PO, nul. Donc, il y en a d'autres. Hein. On va... Tiens, regardez, il y a encore une pièce. Donc, c'est les pièces, généralement, sur la gauche. Donc là, on ouvre les yeux. On essaye de trouver un autre lutrin. Apparemment, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est ça. Traité sur les donjons d'ensemble. Pouf, page 14. Voyons voir. Alors là... Mais comme il n'y avait aucun moyen d'y accéder, j'ai dû le placer devant la cour de l'Empereur au mensonge. Bah ça c'est très simple, hein. Donc l'Empereur au mensonge, il s'agit de Belial, boss de l'acte 2. Donc voilà, visiblement l'indice est relativement simple, Caldeum, pouf, et on va directement choper notre ami Belial. Et peut-être que, en tout cas j'imagine que le portail d'ensemble sera là. Alors là regardez, j'ai l'ensemble terrestre encore une fois parce que... J'avais la flemme de changer, de partir sur autre chose. Vu que j'ai fait une vidéo récemment sur le set de la Terre, je me suis dit, hop, on va rester comme ça. Même si, voilà, c'est pas tellement opti, il n'y a pas d'objet ancien ou quoi. C'est pas grave, encore une fois, on est là pour de la découverte. Alors, voyons voir comment ça se passe, par contre. Il faut le trouver. J'ai eu l'occasion de voir un stream, le mec, il se baladait, et puis il y a un portail vert qui s'est ouvert. Donc, là, on est justement à Caldeum. On est à l'endroit... Où se terre justement le fameux Belial. Non, je vois pas trop. Écoutez, on continue notre petite recherche. Hein. Bon, eux ils font chier. On va essayer de... Ah, ça par contre ça m'intéresse beaucoup beaucoup. La fameuse arme justement puissante. Là pour le moment je vois rien. Hein. Je vous dis franchement, je vois rien du tout. De toute façon, on va voir, hein. Si jamais je me trompe, c'est pas grave, hein. Comme je vous l'ai dit, on est là pour chercher, mais... bon, on va passer la porte, mais bon, c'est bizarre. C'est bizarre, bizarre. Ah, tiens, regardez, c'est quoi ça? Ah, formidable, eh bien voilà, nous y sommes. Là, d'un coup, j'ai commencé à me dire, merde, je me suis gouré ou quoi? Non, je ne me suis pas trompé. Alors là, regardez, on avait le petit indice juste ici, donc... J'ai dû le placer devant la cour de l'Empereur au mensonge. Et effectivement, la cour de l'Empereur, c'est ici, hein, le palais impérial. Donc ouais, ouais. Ce truc-là était transparent. C'est vraiment quand on s'est rapproché que cette espèce d'hôtel est apparu avec le donjon qui va bien. Bon, ben on n'a plus qu'à s'y jeter, hein, allons-y. Ah, donjon de la puissance de la terre. Donc c'est le set que j'ai. Deux objectifs. L'objectif numéro 1, déclencher bon choc terrestre et tremblement de terre en moins de 6 secondes sur chaque monstre élite. Ok, alors dès qu'on arrive sur un monstre élite, eh bien en plus c'est les 3 techniques que j'ai en 1, 2, 3, donc parfait. Dès qu'on arrive sur un monstre élite, on a 6 secondes pour faire 1, 2, 3. Ok, c'est technique, très bien. Objectif numéro 2, geler puis tuer au moins... Un ennemi toutes les 10 secondes.
pendant une minute. Ah, alors là, par contre, ça fait chier. Pourquoi? Parce que je n'ai absolument rien qui gèle. Et puis, avec quoi on peut geler? Eh bien, on peut geler notamment avec Avalanche. Attendez, je crois que le sel de la Terre augmente Avalanche. Hein. Oui, oui, il augmente Avalanche. Donc là, hop, admettons, si on part sur Avalanche. C'est où? Je sais même plus à quoi ça ressemble. Tellement que je joue jamais ce sort. Voilà. Je ne sais pas. Bon. Ah, voilà, c'est ça. Des blocs de glace géants frappent les ennemis en leur infligeant un montant de dégâts de froid égal à 1600. En plus de les geler. Bon. Le problème, c'est qu'on va pas jouer avec ça. On va pas jouer avec ça, puisque comme je vous l'ai dit, on est vraiment là pour de la découverte. Mais en gros, vous comprenez un petit peu ce qu'ils veulent nous faire faire. Ce qu'ils veulent nous... ils veulent nous orienter vraiment sur l'utilisation complète du set. C'est-à-dire les trois sorts ici, plus Avalanche. Voilà, donc ce qui serait bien, c'est que j'ai Avalanche ici, pour pouvoir, eh bien, geler à chaque fois les ennemis. Donc en gros, ce qu'il faudrait, c'est faire 1, 2, 3 sur les mobs élites, et Avalanche au moins une fois toutes les 10 secondes. Mais comme je vous l'ai dit, on s'en balance. On va voir comment ça se passe. Allons-y. Alors, donc là, tuer 232 monstres sans subir de dégâts qui devraient vous tuer. Donc sans mourir, hein, même si on proc notre truc qui nous empêche de mourir. Wow, merde. Un élite. Mais je l'ai OS. Alors, ouais, alors, bon. Bah, raté, effectivement, échec. Donc là, il y a comme qui dirait un petit problème. J'ai OS le mob, donc j'ai l'impression qu'on est genre en T4. Puisque vous savez, juste avant de rentrer dans ce donjon d'ensemble, j'étais, rappelez-vous, en T8, d'accord? Et il y a une chose que Blizzard a bien précisé, ils ont dit, peu importe le niveau de tourmente dans lequel vous êtes, les donjons d'ensemble ont leurs propres difficultés. Alors en gros, si je comprends bien, ah ouais, d'accord, c'est bon, j'ai compris comment ça se passe. Alors en gros, la difficulté, ce sera par rapport au set. Donc là, on vient de voir que le donjon d'ensemble terrestre, c'est le mode vraiment easy, c'est-à-dire le mode T15, T20, tellement que je les OS très facilement sans rien faire. Après, peut-être que, je sais pas moi, l'ensemble de record, c'est un niveau intermédiaire, peut-être style G-Rift 30, 35, peut-être que justement... Le roi immortel, c'est plutôt G-Rift 60, 70, donc vraiment un niveau très très dur. Je pense que c'est ça. Je pense que les 7, en fait, c'est les différents paliers. Donc, bah, malheureusement, voilà, on est parti sur le palier très très facile. Et donc, ouais, je suis trop trop stuffé par rapport à ça. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, l'ensemble de le donjon de la 7, de la terre, pardon, il faut avoir un stuff pourri. Ou limite enlever des pièces de stuff. Voyons voir, si j'enlève les deux anneaux, peut-être que je pourrais faire beaucoup moins mal. À mon avis, ouais, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, hein, là je suis encore sur la découverte, mais j'ai l'impression qu'il faudra être sous stuff si on s'y met tard en fait. Si on a un bon perso et qu'on a envie de faire ses donjons d'ensemble, il faudra un petit peu rétrograder son stuff. Donc, ouais, à voir, pourquoi pas une arme ancienne. Enfin, une arme justement pas ancienne comme la mienne. Essayer d'avoir du stuff pourri, pas ancien. Quitte à enlever 2-3 pièces de stuff pour pas faire mal. Parce que si on OS les mobs, comment voulez-vous que sur un mob, je fasse 1, 2, 3, 4. Ou sinon, encore mieux. Voilà, moi je pense que c'est encore mieux. Vous savez, tout le stuff que vous allez looter. Admettons, vous jouez. Hop, voilà, vous lootez les bottes comme ça de la terre. Moi je les ai en ancienne. Parfait. Alors... Vous les lootez en ancienne. Ce sera vos bottes main, on va dire. Très bien, vous allez les garder de côté, tout va bien. Et puis si d'un coup vous relootez des bottes, mais qui cette fois-ci ne sont pas anciennes, et au contraire, elles sont très mal roll, tant mieux. Tant mieux, voilà, vous les gardez. Comme ça, vous pouvez maximiser l'endurance dessus, hein, ce qui vous permettra de justement pas mourir. Et le fait de ne pas mourir, eh bien... ouais, ouais, ouais. À mon avis, c'est une bonne idée de faire ça. Maintenant, on va garder genre un double de chaque... Oh putain, ils m'ont fait peur. On va garder un double de chaque pièce. Non, mais d'accord. Bon, bah, très bien, voilà. Ça nous a permis de voir un petit peu comment ça se passait. Alors là, j'ai quand même validé deux trucs, on sait pas comment. Hein. Vous devez valider au moins un objectif principal pour atteindre le palier de base du donjon. Donc, utiliser bon, etc. Geler les cibles, c'est des croix. Tuer tous les monstres et valider... Quoi ? Tuer tous les monstres et valider tous les objectifs avant le temps imparti.
Mais c'était quoi le temps de la partie? J'ai même pas fait gaffe, d'accord. Je pense que là, il y avait un buff. Bon, je rematerai sur la vidéo plus tard, mais je pense que là, il y avait un buff avec le temps. D'accord, donc on a un certain temps. Et puis j'ai validé, voilà, tuer 232 monstres sans mourir, tout ça. Bon. Pour maîtriser ce donjon, valider les objectifs principaux avant la... Ouais, donc c'est vraiment ça le plus important, c'est valider les deux objectifs ici. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, à mon avis, c'est ce qu'il faudra faire. Partir sur un stuff qui est roll de manière différente. Pas la peine d'aller chercher les trucs trop OP. Vous enlevez, par exemple, je sais pas moi, voilà, les gants. Pas la peine d'aller chercher dégâts des coups critiques et tout. Vous essayez de rabaisser le stuff au niveau de ce donjon d'ensemble qui a l'air très très simple. Et par contre, à l'inverse, pour les sets qui demanderont beaucoup plus de skill et un bien meilleur gear, je sais pas c'est lequel, ce sera peut-être le Récord, ce sera peut-être le Roi Immortel qui demandera peut-être l'équivalent d'une G-Rift 60, 70. Là, dans ce cas, il faudra un énorme stuff. Donc en gros, c'est pas mal puisque ça va nous permettre de progresser comme ça par palier. Au début, quand vous viendrez juste de monter un perso, vous allez vous concentrer sur le donjon d'ensemble le plus simple. Et au fur et à mesure du stuff, vous allez chercher voilà. Le plus difficile. En tout cas, ouais, ça nous a permis de jeter un œil très rapidement sur ce que peuvent donner les donjons d'ensemble. Donc, pour récapituler, allez au manoir de Léoric pour choper la petite feuille qui vous donne une indication sur le lieu. Alors après, j'imagine qu'une fois que le lieu est connu, je pense pas qu'il change, hein. Je pense que ce sera toujours le même. Une fois qu'on le connaît, on le connaît, hein. On pourra peut-être même aller chercher le lieu sur Internet, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Allez chercher ce petit papier pour avoir le lieu. Une fois que c'est fait, vous vous y dirigez, bien sûr, avec l'ensemble, et puis bon, bah vous essayez de le faire. À savoir que bon, bah il y a les récompenses qui vont bien, il y aura aussi. Moi je sais que c'est les ailes hein, des 24, hein, donc toutes les classes, finir tous les donjons d'ensemble de toutes les classes, les ailes me tentent bien, donc je pense que je vais me prendre au jeu. En tout cas, voilà, on verra bien. Bon, et eh bien c'est tout pour aujourd'hui, donc ce que je vous propose c'est de se retrouver bientôt encore une fois pour de la découverte de build 2.4, mais pour un donjon d'ensemble aussi un petit peu plus préparé. Magnifique, bon, on va la garder de côté celle-ci. Voilà. Pour un ensemble de sets plus préparés. Je vais tester avec Roi Immortel, je vais voir ce que ça donne, je vais essayer d'optimiser un petit peu le gear. Je vais essayer de finir le donjon d'ensemble de mon côté, et une fois que je l'aurai validé, je reviendrai vers vous sur une vidéo pour vous montrer eh bien, un donjon d'ensemble terminé. Voilà. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt. Ciao, ciao.